Et bonjour à tous, aujourd'hui voilà, je vous fais la présentation de cette jolie ville située à plus de 1200 mètres d'altitude en bas de la ville et ensuite au niveau des fortifications de Vauban, il y a plus de 1300 mètres d'altitude. Alors donc je vous fais la présentation de cette ville qui est Briançon, la plus haute ville d'Europe. Là au bord de la Durance que vous voyez ici, quelques névés résistent, hein. Cette année on est gâtés, hein. Voilà, je suis stationné moi sur l'aire de camping-car de Briançon gratuite. Bon, après là, c'est partagé la journée, mais après la nuit, ça va. Alors donc du coup, ça sera la visite pour la ville de Briançon qui est la plus haute d'Europe. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de jeter un œil sur la plus haute commune habitée d'Europe, l'année passée, j'ai visité Saint-Véran. Saint-Véran, la plus haute commune habitée d'Europe à 2040 mètres d'altitude. Et là, je vais vous filmer la ville de Briançon au loin, bien sûr, parce que là, c'est pas la porte d'à côté, c'est à un petit kilomètre ou deux. Tout là-haut, 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 là-haut. Bah, ça fait un peu trop loin, là, pour vous voyez un peu plus clair. Mais voilà, c'est entouré de ces remparts, de ces fortifications, de Vauban. Ce que vous voyez ici, c'est la Durance. Il y a un sacré débit cette année, hein. Ah, qui passe par la ville de Briançon et qui poursuit sa route jusqu'à dans les Bouches-du-Rhône. Ah, il y a un sacré débit, hein. Et quand j'y pense, cette gare elle a 1206 mètres d'altitude. Ah, c'est impressionnant. Hein? 1200 mètres d'altitude. Pour une gare SNCF, c'est pas mal. Hein? Et des longues lignes. Hein? Marseille, Paris. Ouais. Là, vous avez le train en direction de Paris-Austerlitz. En préparation. Ce soir, c'est son départ pour 20 heures. Là, il est en préparation, nettoyage, etc. Parce qu'il a fait forcément une longue nuit en provenant de Paris-Austerlitz jusqu'ici, il y a 12 heures de train. C'est impressionnant. Deux locomotives, je sais pas, une dizaine de wagons. Et ouais, vu le poids, en plus, c'est deux locomotives diesel. Il n'y a pas de caténaire. Il n'y a pas de, pardon, de pantographe. Et les névés qui résistent au sommet. Ah, cette année, on est gâté. Il est balèze. Là, je suis voilà, dans la gare de Briançon. Voilà, en travaux, j'ai pas pu me rapprocher. Voilà. Fin de sa manœuvre. Préparation pour ce soir. Eh ben voilà, ce soir il y en a qui vont voyager toute la nuit. Ah, c'est ça, c'est bien Paris-Austerlitz. Ouais. C'est ça. Bon, allez. Allez, c'est parti. Environ 100 mètres de dénivelé à monter. Bon, heureusement que je suis entraîné, hein. Là il y a une sacrée montée à faire. Là on va monter à 1300 mètres d'altitude. Voilà. On verra bien ce que ça donne, mais ça va aller. Ouais, là on est environ à 1200 mètres en bas de la ville. Après avoir monté toute cette côte, voilà. Arrivé à 1275 mètres d'altitude. Et encore c'est pas fini, hein. Mais la côte elle est vachement impressionnante. Hop là. Et nous, on se dirige au niveau des fortifications. Il restera encore tout ça à monter. Ah, elle est balèze, la côte. Voilà, il restera tout ça à monter. Et ensuite, on sera à peu près à 1300 mètres d'altitude. Au cœur des géants, respirez Briançon, vivez,
fait lourd. Voilà, début des fortifications de Vauban. Comme je vous ai dit, 1275 mètres d'altitude pour le moment. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome. Via Domitia. Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome. Là, voilà, nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Là, on retrouve ces fortifications de Vauban, mais ça, c'est plutôt une zone militaire. Hein. Ouais, et là-bas aussi. Eh bien, Vauban, il en a fait de ses constructions, typique de sa part. C'est magnifique. Ah, je suis désolé pour le vent. Regardez. La partie basse de Briançon à 1206 mètres d'altitude, en bas, au niveau de la gare SNCF qui est ouais, voilà. À ce niveau-là. Cette année, franchement, on est gâté au niveau des névés. Ça résiste, hein. C'est vrai que il y a 2 ans en arrière, j'étais venu ici et honnêtement, il y en avait beaucoup moins que ça. Vous avez vu ce décor? Magnifique. Voilà. Place à la visite de cette jolie ville fortifiée. Donc, je précise, la plus haute ville de France, à 1300 mètres d'altitude, donc au niveau là où je suis. Voilà. La partie haute de Briançon. À bientôt pour de nouvelles aventures.
Thank you.